Voilà, bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs de Talatala Congo Télévision et de Tout Savoir TV. Bienvenue dans cette petite scoop spéciale, Église Capernaum Church, veillée de prière le 31 décembre 2021. Nous sommes très heureux, nous, journalistes de cette grande chaîne de télévision en ligne, pour vous présenter une grande dame, une femme, et deux serviteurs de Dieu. La femme que nous recevons n'est pas n'importe quelle femme, c'est la femme du pasteur Maxime Kaunda, maman Mimi Kaunda, maman pasteur, ainsi que nos frères, nos deux diacres, diacre Christian et diacre Nicolas. Sans plus tarder, chers amis, de quoi il s'agira, nous allons parler avec les hommes de Dieu de la journée du 31 décembre, et puis non seulement de la journée du 31 décembre, ils veulent nous faire des révélations sur l'église Capernaum Church. Bonjour, maman Mimi. Bonjour, papa. Maman Mimi, nous sommes très heureux. L'équipe Talatala à Congo et Tout Savoir en télévision est très heureux de vous accueillir dans ce plateau spécial. Nous sommes à la scène de l'église Capernaum Church. Est-ce que ça va? Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup de nous avoir récits. Je sais bien beaucoup de gens nous suivent en ce moment. Nous sommes ici à l'église Capernaum Church. Voilà. Diacre Christian, comment allez-vous? Ça va très bien, mon frère Marcel. Ça va aussi pour votre amabilité, parce que nous savons que vous avez aussi beaucoup de champs fouettés, mais malgré cela, vous êtes sacrifiés pour que vous puissiez être avec nous en ces lieux pour parler au nom de Capernaum Church. En ce qui concerne la journée du 31 décembre, qui sera une journée pas comme les autres. Nous vous disons merci. C'est ça. Bien que Nicolas, comment allez-vous? Yes, je me porte bien par la grâce de Dieu. Je dis sincèrement merci pour votre disponibilité à notre égard de pouvoir se présenter encore une fois de plus au milieu de nous pour que nous puissions transmettre les messages en ce qui concerne la veillée du 31 décembre au sein de l'église Capernaum Church. Et je vous dis sincèrement, merci beaucoup. Voilà. Maman Mimi, la première question, parce que les gens vont vous regarder. Qu'est-ce que vous prévoyez pour la journée du 31 décembre 2021 ici à l'église Capernaum Church? Oui, le 31 décembre, comme d'habitude, vous savez, nous avons veillé. Il y aura réveillon ici à l'église Capernaum Church. Nous vous invitons de venir nous rejoindre. Nous allons élever, célébrer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y aura vraiment de la joie parce qu'il nous a protégés toute une année. Et nous voici arrivés à la fin de l'année, bien-aimé, là où tu es. Moi, je t'invite de venir nous rejoindre le 31, célébrer, glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maman Mimi, je vous retiens encore parce que je rappelle aux téléspectateurs que l'émission sera bilingue parce que normalement, non seulement nous allons expliquer presque la moitié de l'émission en français, mais nous allons aussi parler à Lingala pour une large compréhension. Maman Mimi, beaucoup de gens, la plupart des Congolais aiment les veillées. Il y avait un temps où il y avait la pandémie, les gens ne veillaient plus. Est-ce que vous pensez que les gens ont cette stupeur de venir à la veillée? Parce que maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens par rapport à la pandémie et par rapport à Dieu? Bien-aimés, moi je vous invite parce que on travaille déjà, nous partons au travail. Nous nous retrouvons là-bas, il y a tout un monde qui se retrouve au boulot. Alors moi je ne pense pas que cela peut nous empêcher de venir élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, rejoins-nous, viens, nous allons glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est au contrôle de tout. La pandémie c'est bien, ça existe et ça nous a dérangé, le Seigneur nous a protégés. Parce que quand c'était grave là, c'était grave, c'était vraiment grave, nous voici aujourd'hui, nous sommes encore là. Donc je me dis que le Seigneur est au contrôle de tout. Venez, on va prendre les dispositions qu'il faut. Nous allons élever le nom du Seigneur. Donc c'est un peu ça. Merci. Diacre Christian, beaucoup de gens vous connaissent. Vous avez une grande responsabilité aussi ici à l'église, en tant qu'ancien.
il y a des gens qui vont peut-être demander qu'est-ce que vous allez faire comme activité les 31. Est-ce qu'il y aura des témoignages? Il y aura quoi? Expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous allez faire comme service des différences. Quand je parle des services, c'est-à-dire et là quoi si canini nous disons on y a veuana à Rukutawa les 31 ou non la monaté depuis mandat auquel va venir. Bon, ce 31, ça sera un 31 pas comme les autres. Okay. Ça sera un jour spécial où l'église Capernaum Church organise un événement très grandiose où nous espérons signer l'alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ pour l'année nouvelle qui commence, l'année 2022. C'est-à-dire, nous appelons à tout le monde, venez mes frères et sœurs, venez ici parce que nous savons que Dieu nous a protégés et il continue à protéger. Celui qui te donne le souffle de vie hier, il est capable de le donner encore aujourd'hui et de le donner dans le futur. Pourquoi nous vous appelons, venez, il y aura des témoignages, il y aura des choses qui vont se passer, il y aura des manifestations des gens, des organisations qui vont se passer ici pour que les gens comprennent que non, Dieu est capable, il est au contrôle de toutes choses. On n'a pas peur de la pandémie parce que quand nous ne prions pas pour celui pour avoir la guérison, mais nous prions celui qui donne la guérison. C'est-à-dire, c'est Dieu-là que nous venons l'adorer, nous venons le célébrer pour tout ce qu'il a fait pendant ces deux ans de pandémie, de coronavirus, que tout le monde fouillait. Oui, mais ce sont des choses qui arrivent, mais nous savons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Parce que nous savons qu'il nous soutient, qu'il nous porte dans sa main triomphante, la main de la victoire. Il a dit, tout a été accompli, il nous a donné la victoire sur toutes choses. Il nous a donné le pouvoir de dominer, marcher et faire tout ce que nous pouvons faire dans son nom. Nous avons ce Dieu-là en nous. C'est pourquoi nous vous appelons, bien-aimés, venez se réunir avec nous ce jour-là. Vous ne serez pas déçus, vous verrez que non. Ce que vous êtes venu faire, vous aurez encore besoin d'avoir plus, mais malheureusement, ça sera peu de temps que nous allons passer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, justement, attendez, Diacre Nicolas. Justement, Diacre Christian, mais c'est comme si vous avez escamoté ma question. Donc, oui. Je réponds en réalité. J'ai demandé qu'est-ce que quelqu'un, une sœur, par exemple la sœur Sarah Boyo, je vous remercie, je vous salue à mon lit. Nassim Okwanga, de Longue Jambe à Galesbourg. Ceux qui voulaient se marier, quand ces sœurs vont venir, qu'est-ce qu'ils vont trouver de nouveau? Parce que dans tous les cas, on va la payer. On dit qu'on répond à la vérité. Vous voyez, c'est comme ma cambo, ils arrivent. Et le cas, c'est que ça, que non. Ma sœur, il n'y a pas de frère, on va voir, il va gagner la payer. Bayan a veillé, tu as signé un contrat Alliance Nanzambi. Oui, parce que nous devons signer l'alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Cette terre, toute terre que vous allez fouler votre pied, ça vous le sera donné. Nzamba pesibiso mabelango. Et tout ça na posé que non ba tu ba yaba comprendre importance ya kozala na présence nzamba koyeba que non tout ça na pouvoir à dominer, à sujettir sur toute chose. C'est pourquoi nous appelons la sœur Nassi. J'appelle la sœur Nassi, je la connais, elle me connaît aussi. Et nous avons été dernièrement avec elle dans la fête de la sœur Nadine. La boîte qui est caca. Tous la naozo ben maman Nassi yaka. Mais ma bana na mibale a mibali, na mona bango lisusu le 31 décembre. Yaka na bango awa tous la na événement munene. Tous na posa au signer alliance na biso na nzambe ko la kise ke non. Malgré nous, nous sommes reconnaissants envers ce qu'il est en train de faire pour nous. Diacre Nicolas. Yes, papa. Je crois que mon affiche, je pense que vous tirez verset Nini, Oyo, Nobela, les 31. Vous tirez thème Wana na verset Nina Katsabibi. Ok, donc nous parlons, peuple de Dieu, nous parlons sur la rédemption
C'est vraiment un thème qui nous est primordial, un thème qui nous est central au sein donc, de la parole de Dieu dans la Bible, qui a été donné donc, sous l'inspiration du Saint-Esprit à notre humble pasteur Maxime. Et nous l'exploitons donc, dans les passages bibliques d'Ésaïe, le prophète majeur Ésaïe. Prophète majeur. Il y a Ésaïe. 59, verset 19 jusqu'au verset 21. J'aimerais les lire pour la compréhension de toutes personnes qui nous suivent à ce moment. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, car l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon alliance qui repose sur toi et mes paroles. Que parce j'ai que, mise dans ta bouche. Oui, je m'arrête là. Oui, tout le monde. Oui, donc, j'aimerais vous dire qu'au travers de ces passages, il en est donc le sujet du peuple d'Israël, les résidus d'Israël qui doivent être sauvés dans les jours à venir. Mais ce texte nous intéresse également. Pourquoi? Parce que la Bible dit en ce début de ce chapitre, donc, le peuple d'Israël, il vivait dans les péchés, dans les crimes, dans les abominations, ainsi que dans tant d'autres mauvaises choses. Et l'arrêt de la délivrance s'est présenté devant et il n'avait pas les salut au milieu d'eux. Et alors Dieu, par son amour, par sa grâce, ainsi que par sa miséricorde, il s'est décidé lui-même au travers de son bras de délivrance de pouvoir délivrer son peuple. Voilà pourquoi dans le livre, dans le verset 20, il est mentionné « car le Rédempteur viendra pour Sion ». Justement, yes. Justement, j'ai une question pour vous. Yes, je vous écoute. Concernant ce que vous dites, parce que nous voulons terminer, parce que c'était juste une petite interview. Je vous écoute. Pour les gens qui ne prient pas, mais qui viennent seulement une seule journée, à Yeneka, à payer les tentes à Kenai, pour le vini pour la bande de Kouana, parce que les bande de Moussou, elles semblent en été. Mais ma banque, dans ce qui est le Koufa, dans la Soukamboula, il y a des belles dans la journée. Vous en avez l'eau pour la bande de Kouana, ou vous voyez, parce que tu es aussi cette interview. Yes, donc j'aimerais donc lancer. Pour les banques, pour les Koufa, il y a des bâtiments d'église, pour ceux qui les Koufa, pour les l'église. Donc j'aimerais conscientiser à tout un chacun, chacune de nous, donc nous interpeller que nous ne venons pas chercher la face de Dieu parce qu'il y a un problème quelconque. Nous ne venons non plus donc prier l'Éternel parce qu'il y a une circonstance douloureuse qui se présente devant nous, mais nous venons chercher Dieu ou nous venons servir Dieu car cela est une obligation. Car Dieu au jardin en Éden, donc dans le paradis merveilleux, Dieu il a créé Adam et Ève dans le seul but donc de servir Dieu ainsi que de l'adorer. Voilà pourquoi toi qui me suis, mon frère, ma sœur, toi qui as la peur de la coronavirus, ainsi que de cette variant Omicron, ainsi que les deltas que papa vient de souligner, ainsi que la fin du monde, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est mort pour toi et on ne sert pas Dieu seulement pour la fin du monde, mais nous servons Dieu car cela est une obligation. Sachez une chose, qu'après notre mort, il y a aussi une autre vie qui nous est réservée. Vraiment. Maman Mimi, on est presque à la fin de cette. Ils appellent maman Morozotal, maman Esther Makabu, Azarotal, depuis Place Azali. La principale, moi, la SK. Azarolanda, yo, en direct, et puis Marotal, au sous-sous-sous-sous, dans Mandaku, dans la TV, dans Mandaku. Maman Mimi, qu'elle soit souka, parce que, bien, ma maman pasteur, toujours qu'à. Baba Kamobine, la chance que ma sœur Oyo, ma lingaro, tous ces mamans pasteurs. Parce que, na lingaro solo, na ma sœur surtout, na pour ma frère, vraiment, on dit que ma maman pasteur qui para peine ma frère. Mais ce Oyo qui, ma sœur, ma lobito, le camo, vous tirez mini, ma lingaro mini, ma sœur, ne va l'en, na bino modèle. Si vous la lingaro pèse, ma sœur Oyo, ma lingaro, yo que la maman pasteur. Et puis, on peut faire un message à Souka pour te dire si c'est un bisou. On a besoin d'un besoin au Loba. Et puis on peut faire ma meilleure vie. On a vu que vous avez un papa Maxime. Quand on a un et puis on a une communauté. Je vais vous dire, maman. Ok, merci beaucoup. On a la caméra. Vraiment, vous allez avoir juste pour inviter les hommes de Dieu, les enfants de Dieu,
de venir nous rejoindre le 31 décembre pour qu'on puisse célébrer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a protégés à battre le bisou, à épargner le bisou. Moi, je pense que, et pour ça, il y a pourquoi, moi, si toi, tu vas rester à la maison pour ne pas venir louer le nom du Seigneur Jésus. Je vous invite, j'invite tout le monde, les experts, tout le monde qui me suit, je vous invite, je ne saurais pas citer les noms. Dire que ma maman pasteur ne sont pas respectés. Et pas basseur. Moi, je trouve que. J'aimerais dire ceci. D'abord, on a un problème de l'éducation. Quelqu'un qui est bien éduqué, il est difficile à manquer ou à avoir la parole, à avoir la légèreté à parole devant tout le monde. Non seulement maman pasteur. Il ne faut pas que tu tchaka ma maman pasteur. Quand tu es bien éduqué, Moutounion Soyibikaza supérieur Nayo, quelle que soit l'Amérique, ou Rosanaba réserve, pour y bandigna Kosula Naï. Et je me dis encore, si Jésus-Christ, Yemo Kwazaki, Nzeta Mobisu, qu'on avait fait ça, à combien plus fort raison, Bisso au Banzeta Kokaoka. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous avez pasteur, vous avez dit, La parole de Dieu est prêchée. La parole de Dieu est prêchée partout. Actuellement, là, c'est difficile au Kamutayo qui est en route. Moi, je suis en Zambé, hypocrite. Pour asala makambu moko ya ndinga ko batema ya ko batema ça signifie quoi na boy na solano bien par Marcel quand la pêche mu konzu mbelo tubinga non moi na nzambo ya mba Jésus-Christ na motema naye ayé binde ni au se comporter bisikani on so azali ayé bi façon na ko solana papi façon na ko solana papa Nicolas ayé bi d'abord azo banga nzambe puis l'éducation est là. Alors c'est pourquoi moi je dis toujours moi je m'en fous de tous des gens qui ont l'habitude de dire que des mensonges sur la vie des gens. Je m'en fous de ces gens. Pourquoi je dis ça? Les gens créent des histoires. Les gens créent des histoires. Orosa Ova et Nanda Kuno Yebili Kambute. Latissi en ouvert, c'est Tamboli. Ce qui va Yebisi Moutoumoutoko, le beau y'a pas le bitéza. Ok. Donc ce qui est important pour nous, nous servons notre Dieu. Il est le Dieu qui voit même les endroits les plus cachés. Là où l'homme ne peut pas voir, le Seigneur voit. Alors, quand toi tu sers ton Dieu en vérité, quel que soit tout ce que les gens vont créer dire, les gens sont là rien que pour décourager. Nous avons notre Seigneur, il est là, il nous sécurise, il nous encourage, donc ça ne sert pas. Silence, Zaka, arme, mouru ya makasi, papa. Oui. Mais il faut laisser les gens des fois parler. Non. On est enfant de Dieu. Laissez le Seigneur lui-même s'en occuper. Amen. Donc c'est un peu ça, c'est tout ce que je peux dire. Je vous invite vraiment. Venez. Je sais qu'en Pio, ici, il y a beaucoup de gens. Nous vous invitons le 31 décembre de venir à l'église Capernaum Church. Nous allons célébrer, élever, glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Venez bien-aimé, tu vas dire merci à ton Dieu, le Dieu qui te protège. Alors c'est la bise à ma lame, nous ne manquerons jamais des mots à dire à notre Dieu. Tous à la plus focalisée dans ma camboïsa essentielle, ma camboïsa importante. 2022, moi je pense que laissons les futilités. Balobaki, Bazungisaki, ça ne sert pas parce que ça ne produit rien, ça ne te donne rien. Au contraire, tu fais passer ton temps inutilement, donne ton temps à Dieu. Tu verras la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et bon, on fait ça. Je vous souhaite. D'abord, je commence par mon mari, mon Seigneur. Il est mon mari, je l'aime beaucoup, Maxime Kaonda, là où il est, bonne année. Bonne année à tout le monde, les serviteurs dédiés partout dans le monde, Capernaum, peut-être particulièrement. Je vous souhaite, vous êtes nombreuses, alors bonne année. C'est sans exception. S'il faut qu'on commence à citer les noms des gens, bonne année à tout le monde. Merci mille, na papa, espoir papi moi dit, na moi si naie, maman Chantal, benge, ba, zalakana ba la maron du toko, coupe mon corps, du toko salanate. Amen. Papa Christian, tu comme na souka, il est bon kayo, photo clôturé, et puis papa Nicolas, yo pour recevoir les noms, pessimiste adresse, pessimiste solaire,
Vous pensez ma mère avec la Bible pour clôturer l'élément. Il y a un peu de temps, nous continuons à appeler les frères et les sœurs de Peoria, Moline, Mammouth, Galesbourg, toutes les villes aux alentours de Peoria, de venir se réunir avec nous en ces jours-là pour que Dieu puisse arroser sur nous de sa grâce, de sa puissance, de son amour et toute autre bénédiction qu'il a prévue pour cette fin de l'année. Nous voulons être bénis par cette grâce-là. C'est pourquoi nous ne voulons pas être bénis seuls. Nous voulons qu'avec nos frères et sœurs, qui soient encore loin de notre Seigneur Jésus-Christ. J'appelle mon frère Anthony Poutou. Oui. J'appelle Gaylor, leader. J'appelle aussi Gaylor Mayoul, qui est à Dallas. Aya. Nous avons apporté ça. Nous avons bien la sœur Honorine na Atlanta. Aya. Nous avons bien appelé Gaylor Chimanga. Gaylor Chimanga. Na maman Cécile. Gaylor Chimanga. Nagalisbourg. Nous avons bien André Makabu. Na maman Esther. Na bengi bino boya. Tosangana jour wango to mona loboko nzambe likolo na biso pe ane obanda ezala ane moko différente na bane nyonso to tsoleka to mona ke nzambe osala makambo bien na kati ya eglise na biso na kati ya bafoye na kati ya misala place to zali onyo to zana ngopo sa ekokisama na kombo ya notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Ba venanga ezo kende directement na ma très chère dame, maman Naomi, Pata, la maman de Dana, Yann et Ariane, Azan Nanda Gautier aux Aranabis, je crois à Hollande, tout l'Anda Gautier chaque jour, papa. Vendredi passé, dimanche, tout à Yolanda, na Iowa, na fête à cousin Nanga, Robert, na moi, na naïa anniversaire. C'est-à-dire, ba ven na ba o union so ba na nzambe madame ba yebi e bien ba tebele ba kala to ba no benga e bebe bebe comme on a Naomi Mpata, c'est à dire aza la spéciale pour moi. Amen. Oui, c'est à dire ba ven na e ba ven na ngana Anthony leader ba ven na ngana Gaylor Mayulu ba ven na ngana Gaylor Chimanga Shanti Mayulu parce que Gaylor Aligami, tu vas boire comme moi, c'est là. Shanti Mayulu. Ok. Shanti Mayulu. Ok. Na maman Cécile, na Gaylor Chimanga. C'est bon. Pe na papa André, na maman Esther. Amen. Esther, vous avez la note directe. Papa Nicolas, pèse sur l'adresse à Capernaum. Na R, Mourubanda, wa. Et puis, tu suis ici la biso émission. Au bois qui au PCP va venir, yo. Na mon alliance, na Loboko, madame na yo na Bande. Comme je l'ai souligné dans les lignes précédentes ou dans les phrases précédentes, que nous sommes ici dans le seul but de transmettre, donc d'informer à tout le monde sur la grande réveillon que nous avons le 31 décembre Amen. Au 1er janvier 2022 Amen. Avec le thème qui serait exploité, la rédemption. Nous sommes sur l'adresse 6915 North Allen Road, Peoria, Illinois, 6-6-6-1-6-1-4 États-Unis à l'église Capernaum Church. Donc je vous invite à venir nombreux à communier ensemble avec nous. Pensez ma vie, non, Kassi. Pensez ma vie, pensez à trois personnes beauté. Bon, mes vœux se dirigent d'abord premièrement à ma femme, Ruth Nzamba. Maman Ruth Nzamba va penser au beauté à femme au long de Donc, qui vient d'accoucher une jolie bébé par la grâce de Dieu ainsi que par les miracles de l'Éternel, qui s'appelle aussi Mirayel. Je vous aime. Mirayel, je vous aime vraiment. Papa. Mes vœux se dirigent aussi à mon pasteur Maxime. Pasteur Maxime, quand on a nos vœux les meilleurs. À ma maman, pasteur Mémé, qui m'encourage toujours à chaque fois où nous travaillons. Et mes vœux aussi se dirigent vers mon pasteur aussi, à Kinshasa, pasteur Josué, qui m'a encadré donc depuis ma jeunesse. Yes. Josué Moukeno. Josué Moukeno. Et ma maman Cécile Beyoko. Merci beaucoup. Et ta maman, notre maman Cécile Beyoko. Ma maman Cécile Beyoko. Et ma mère biologique, maman Chouchou Panda. Voilà, maman Chouchou Panda, notre maman Salayo. Mère biologique, il y a Diacre Nicolas. Maman Mimi, merci beaucoup. Diacre Christian, merci. Diacre Nicolas, merci. Merci papa, mais c'est comme si papa a bossé R. R, il faut et bandato, banana 23h juste jusqu'à 4h juste. 23h juste, donc, de 23h juste à 4h juste. Chers amis, merci beaucoup.
Papa espoir aller à Zana Bisso, mais Zambé à Salik et à Zana Bisso, mais la nègre si ma caméra, ton PC de beauté, la moi si la yé, maman Chantal, la PC au mot de la balle à yo. Bala papa espoir, bakimira la moutou na roya kaka, boukon sous kotang la bino bango. Maman Mimi, merci beaucoup. Je crois que le message est Kei. Communauté congolaise, Yagalesbourg, Boya, les 31 à 23h juste. Mais bah, tu as commis combien de bango 22h. 22h, quoi, comment? L'église, elle a déjà ouverte. Ouverte. Et puis, ma bonne, elle est bandée, ticatré. Ma service, c'est que vous allez bien. Maman pasteur Mimi, hier, moi, vous allez sur place. Là, mon bal, papa pasteur Maxime, la paix, c'est une merveille. Au nom de Talatala et Congo, il y a tout savoir télévision. Bana Capernaum, vous partagez vidéo autant que vous écoutez na YouTube, na Facebook, na WhatsApp, vous partagez pour Bandeko, bazo message. Merci Papa Christian, merci Papa Nicolas, merci. Maman Mimi, merci beaucoup. Na bossanipe Veda Billy, na maman Créance, Rifin, na maman Dove, docteur Gelor, maman Brigitte Azahawa. Voilà. J'aimerais, avec votre permission, clôturer par une prière. Ça sera vraiment une bonne chose. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu es amour, parce que tu es merveilleux. Tu nous as permis au travers de ta grâce de pouvoir se réunir encore une fois de plus ici dans ce plateau, afin que nous puissions transmettre dans les seuls buts de propager ton évangile ici-bas sur la terre. L'espoir de gloire que cette information qui vient d'être transmise, qu'elle soit vraiment captée, Père de gloire, aux oreilles, ainsi qu'elle soit, Père de gloire, cachée dans les cœurs de tes enfants, afin qu'ils se souviennent donc de la date du 31 décembre à partir de 23h jusqu'à l'aube à donner notre Dieu. Garde mon pasteur, garde les serviteurs de Dieu, garde l'église Capernaum Church, garde nos familles au nom de Jésus-Christ, bon. Notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, chers amis, vous devez nous contacter pour filmer vos mariages, pour filmer vos anniversaires, pourquoi pas les séminaires pour des pasteurs. Si vous avez des séminaires, chers pasteurs, appelez l'équipe Talatala ya Congo, appelez-nous. Talatala la cité, ya Congo. Ah, il y a Talatala. Vraiment, Talatala, c'est quoi? Donc, dans ce monde, on a changé. Ce qu'on a dans le miroir, il y a Talatala, au moins on a pu bilonger changer. Nous, on a Zali, on a Sengo, pour le journal. Parce que nous sommes des professionnels d'image, nous faisons ceci parce que c'est notre métier et nous en sommes fiers. Au nom de toute l'équipe de Talatala à Congo, au nom de toute l'équipe de Tout Savoir Télévision, je vous remercie. Nous vous disons merci. Merci parce que nous sommes déjà aux États-Unis d'Amérique et nous sommes là, prêts pour vous servir. Merci à Trésor Kanza, Mobalia, Fallon Dabusu. Merci à Bonner et Longo. Merci à Soule Ndouzi. Merci à Papi Choluka, DG Talatala Congo à Kinshasa. Je vous remercie. Merci à Sheila Poutou, journaliste à Talatala. Merci à vous tous qui êtes toujours là pour soutenir notre équipe. Koloma soleza yonde na yowa. Ba mama rapoya ko filmer o ya ko zoba tla babili la TV. Ezayi kinde yo. Ba boya ba sambala ba ngoza yo. Tout savoir de bakambo. Alors, un seul numéro ici aux États-Unis, c'est plus 309 857
6850 309 875 6850. Si vous appelez ou vous textez, nous serons là toute l'équipe pour faire les reportages.